Bien, voilà, merci pour cette présentation, Laurence. Moi, je suis moi-même très très heureux de retrouver Genève, de revenir. Bon, voilà, Genève, c'est un peu comme La Haye, c'est une ville où, du point de vue international, on a souvent l'occasion de venir. Et c'est toujours un grand plaisir d'être accueilli et d'être accueilli par Laurence. Je crois qu'on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années, on va le dire, hein. Voilà, et je crois que moi aussi, je pourrais lui faire beaucoup de compliments sur son parcours et sur tout ce qu'elle a fait. Et puis, je retrouve d'autres amis, comme Bacane, là, voilà, qui est devant. Très sérieux, c'est très bien, hein. Ce sera sérieux. Hein. Donc, j'en suis extrêmement heureux. Alors, c'est une journée un peu compliquée, parce que j'ai fait 3 heures de cours à Paris ce matin. J'ai pris le TGV et je viens vous voir. Donc, bon, voilà, j'ai peut-être quelques neurones en moins, mais j'espère suffisamment quand même pour vous parler du sujet qui va nous préoccuper, alors qui est effectivement un de mes domaines d'intérêt. Alors, pas la conférence elle-même, mais le droit des relations monétaires et financières internationales en général. Et effectivement, il y a un ouvrage en préparation parce que, bah, en tout cas, en France, en langue française, ça manque. Voilà, il n'y a pas. Et c'est dommage. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup de recherches dans ce domaine? Peut-être que je commence par là, avec quelques mots d'introduction. Bah, j'ai souvent tendance à dire que nous sommes totalement au bout de la chaîne alimentaire. Voilà. Pour faire simple. Bon, je ne sais, ici c'est un peu différent en Suisse et à Genève. Enfin, en France, l'étudiant en droit étudie d'abord du droit interne, du droit privé, éventuellement du droit public, un petit peu en dessous. Bon, parmi le droit public, il y a un petit peu de droit international public, mais c'est déjà marginal. Dans le droit international public, il y a le droit international économique, qui est marginal par rapport au droit international public. Et à l'intérieur du droit international économique, il y a le droit des relations monétaires et financières, qui est marginal par rapport au droit international économique. Donc on est tout au bout. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on est tout au bout? C'est peut-être intéressant de le signaler. J'allais dire que la rencontre du droit et de ce qui pourrait s'appeler monnaie et finance, souvent, c'est une grande frayeur. Une grande frayeur. Alors, des étudiants, mais aussi, je vous le rassure, des collègues. Hein. Voilà, oh là là, c'est plein de chiffres, c'est plein de schémas économétriques, etc. Je vais vous rassurer sur une chose, j'étais très mauvais en maths au lycée. Hein. Donc, il ne s'agit pas pour moi d'être un économiste et de faire des schémas économétriques. Je n'y comprends rien, comme chacun. Simplement, bon, voilà, j'ai juste l'impression qu'il n'y a aucune raison pour que le droit ne se saisisse pas de cette matière, et pour que les juristes, surtout, ne se saisissent pas de cette matière. Bon, tout simplement parce que le droit, c'est un objet qui s'applique à un domaine social, et le domaine social n'est jamais la spécialité du juriste. Sauf quand on fait du droit pour le droit, théorie, histoire du droit, c'est très utile. Mais bon, si on applique, on vient de me donner un tiret à part, le droit de la santé, bon, très bien, mais le droit de la santé, je ne suis pas médecin, et du point de vue médical, il y a des choses très complexes. Bon, et on fait bien du droit de la santé. Je crois qu'il faut partir de ce point de vue-là. Il n'est pas nécessaire de comprendre vraiment les instruments très profondément financiers pour faire du droit monétaire et financier, mais il faut s'intéresser un peu, bah, à la régulation, aux effets économiques, etc., sans forcément plonger dans un détail qui, je dois dire, dépasse tout le monde. Donc le juriste a une certaine légitimité à s'en occuper. Après, c'est un problème d'intérêt ou de capacité. Bon, ça, c'est certain. Alors, le thème que, quand Laurence m'a proposé de venir, voilà, il y avait beaucoup de thèmes possibles, et je lui ai proposé le foisonnement et la variété des organismes dans la régulation financière internationale. Bon. Alors, foisonnement et variété, ça peut paraître un peu pléonasme, mais ça ne l'est pas, parce qu'effectivement, foisonnement, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ce que je vais essayer de voir assez rapidement avec vous. Et variété, bah, tout simplement parce que la nature juridique de ces organismes n'est pas du tout la même. Hein. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt d'ailleurs, bon, de ce thème, j'essaye de vous vendre ce que je vais vous dire, mais même de cette matière. Je crois que c'est une matière, alors j'ai horreur de ce terme, mais quelque part qui est un peu postmoderne en droit, dans le sens où on est déjà dans un droit qui ne connaît plus la summa divisio, qui ne connaît plus le droit public, qui ne connaît plus le droit privé, et qui ne connaît pas beaucoup non plus le droit interne et le droit international, avec l'intermédiaire du droit européen. Qui connaît aussi d'ailleurs du droit transnational. Bref, c'est un peu un droit global. Voilà, quand on s'intéresse à cette matière, on s'intéresse forcément à un ensemble juridique qui n'a pas beaucoup de frontières.
Alors, postmoderne, encore une fois, c'est un terme en fait que je n'aime pas, mais je l'utilise par facilité pour essayer d'exprimer qu'on est vraiment dans des cadres très très différents. Et c'est d'ailleurs ce qui trouble. Hein, c'est ce qui trouble. On a du public avec du privé, on a de la norme qui est plutôt soft et pas beaucoup hard. Bon, et tout ça, ça dérange souvent le juriste de formation, j'allais dire assez classique. Alors quelques mots quand même, juste vraiment rapidement, en guise d'introduction, sur le problème de la régulation financière et de la finance. Parce que souvent, c'est, encore une fois, c'est un amalgame, c'est quelque chose d'assez vague, d'assez vaste, et on n'a pas forcément l'impression de saisir bien la matière. Alors moi, je dis tout simplement que la finance, c'est du prolongement de la monnaie. Hein, voilà, c'est de l'utilisation de l'argent, c'est du prolongement de la monnaie. A priori, ça ne doit pas effrayer. En réalité, ce qui est intéressant quand même de noter, et après tout, comme on est à Genève, ça me paraît encore plus important, parce que j'allais dire que l'origine de la finance, c'est presque à Genève. On va voir pourquoi. Au départ, vous avez la monnaie. Bon, la monnaie, alors, je ne vais pas vous faire de l'histoire de l'antiquité de la monnaie, mais enfin bon, voilà, ça vient de très loin. C'est un moyen d'échange. Hein, c'est simplement un moyen d'échange. Le problème de la finance par rapport à la monnaie, c'est que la finance, c'est plus seulement un moyen d'échange, c'est finalement une sorte de produit. Voilà, on fait du commerce d'argent contre du commerce d'argent, et donc c'est pas simplement le vecteur des échanges. Et finalement, la rupture, elle n'est pas récente. On a l'impression aujourd'hui qu'on est dans une folie financière, il n'y a pas d'autre mot, et que finalement c'est relativement récent, alors crise de 2008, ou quand même un peu avant, parce que c'est pas la première, hein. Il y en a eu quelques autres avant. Bon, en réalité, non. Parce que finalement, sans remonter à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, en passant d'ailleurs par le Coran, le Code d'Hammurabi ou la philosophie socratique, parce que tout ça en parle, finalement, il y a eu très tôt dans l'histoire une forme d'interdiction de l'intérêt par rapport au prêt. Et donc, à partir de là, il n'y avait pas de mouvement financier. La monnaie servait uniquement à l'échange. On ne devait pas thésauriser, on ne devait pas faire de profit sur cet argent. Et la rupture, finalement, la rupture, c'est essentiellement Calvin. C'est pour ça que je reviens sur Genève. Enfin, pas loin. Mais bon, c'est essentiellement Calvin, la rupture. Parce que c'est le premier qui distingue ce qu'on appelle le prêt de nécessité, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le prêt de consommation, c'est-à-dire celui qui vous sert simplement à vivre. Ah, vous ne faites pas de bénéfices, vous avez besoin d'argent pour vivre. Auquel cas, en gros, hein, je simplifie, Calvin nous dit pas d'intérêt. Et puis, le prêt d'investissement. Voilà, le prêt de production ou d'investissement, c'est-à-dire celui que vous allez emprunter de l'argent parce que vous voulez faire profiter cet argent et faire un investissement. Et cette rupture fondamentale, c'est Calvin, en fait. Hein. Et donc, c'est à partir de là que va commencer la finance, véritablement. À vrai, tous les épisodes d'expansion au XVIIe, XVIIIe siècle, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, bien sûr, enfin, en Angleterre à l'époque, donc qui sont relativement connus. Donc la finance, c'est pas récent, hein, c'est simplement de l'utilisation de l'argent, c'est à la base c'est de la monnaie, mais utilisée dans un certain sens. Alors, le phénomène qui est récent, c'est évidemment le phénomène de ce qu'on appelle la financiarisation. Bon, la financiarisation, encore une fois, je pense que vous avez au moins une très bonne intuition de ce que c'est, hein, c'est-à-dire que la finance se détache de l'économie réelle. Vous avez véritablement des mouvements financiers qui deviennent totalement autonomes, et ils deviennent tellement autonomes que maintenant, c'est ces mouvements financiers qui guident l'économie. Bon, ça, c'est le phénomène de financiarisation, mais lui est relativement récent à l'échelle de l'histoire, puisqu'en gros, on a une éclosion de ces mouvements financiers dans les années 70, progression dans les années 80, et puis, véritablement une prise d'importance à partir des années 90 jusqu'en 2008. Mais enfin, je vous rassure quand même, ça continue. Hein. Il ne faut pas croire que la crise de 2008 et les remèdes ont fait que ces mouvements financiers s'arrêtent. Donc finalement, on a été un peu subjugué par la finance et on en oublie qu'au départ, c'est relativement simple. Alors, face à cette expansion de la finance, le problème qui se pose, et le problème qui se pose pour moi, c'est pour un juriste, hein, voilà, je ne suis pas exceptionnel, c'est de se dire, finalement, qui fait quoi et, enfin, du point de vue juridique, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a des institutions qui interviennent sur tout ça?
Et si je dis qu'on, si j'ai dit tout à l'heure qu'on était au bout de la chaîne alimentaire, c'est parce que malheureusement, moi, je n'ai pas mon organisation à laquelle me raccrocher. Je n'ai pas l'OMC pour le commerce. Bon, alors, l'investissement, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'organisation, mais enfin, on est au moins le CIRDI, ça nous permet d'avoir une sorte de panorama de la jurisprudence arbitrale. Bon, il n'y a pas tout ça. C'est un domaine où c'est une sorte de puzzle. Voilà, il faut aller chercher les morceaux, essayer de les rassembler. Et de plus en plus, on les rassemble. Mais au moment où je vous parle, on est le 25 octobre, voilà, 2016, je cherchais la date. Il est évident que je ne vais pas vous parler d'une architecture finie. Ce n'est pas vrai. Ça serait faux de dire qu'il y a une architecture financière qui aujourd'hui est achevée, etc., et que tout va bien. Ça se saurait si tout allait bien. On est dans un bricolage qui commence à prendre forme à travers, finalement, certains domaines, ce qu'on appelle les standards financiers, dont je vais dire quelques mots. Alors, dans ce foisonnement et cette variété des organismes dans la régulation financière, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon, sans que ce soit un catalogue, hein, je vous rassure quand même. Enfin bon, il faut faire un petit tour d'horizon, parce que finalement, vous avez une grande variété. Une grande variété, vous avez des organismes à vocation monétaire ou financière, je dis bien à vocation hein, monétaire ou financière. Bon, le principal, c'est le Fonds monétaire international. Il y en a aussi un autre qui est dans cette catégorie, qui n'est pas loin d'ici, ou une autre, c'est la Banque des règlements internationaux de Bâle. Bon, voilà. C'est quasiment les deux seuls organismes publics, voilà, qui ont véritablement une vocation monétaire ou financière. À partir de là, vous avez des organisations que vous connaissez par cœur, parce qu'elles sont évidemment sur la place publique, dont certaines d'ailleurs siègent à Genève, qui sont des organisations intergouvernementales qui, et c'est une autre catégorie, interagissent dans le domaine financier. C'est-à-dire que, quelque part, elles s'immiscent dans le domaine financier, mais pas complètement, c'est pas leur domaine, mais elles interagissent dans ce domaine financier. Alors, on peut commencer par l'ONU, mais enfin, bon, malheureusement, l'ONU est loin d'être donc en tête. Bon, une organisation dont je parlerai très peu, parce que j'aurais honte devant Laurence, qui la connaît beaucoup mieux que moi, qui est la Banque mondiale, voilà, l'OMC aussi, et l'OCDE. Bon, tout ça, ça touche à la finance, d'une manière ou d'une autre. Vous avez aussi, et c'est encore une autre catégorie, ce qu'on appelle les forums intergouvernementaux. Ces forums intergouvernementaux, bah, c'est les fameux groupes informels, mais là encore une fois, ce n'est pas seulement de la discussion politique, hein, c'est quelque chose qui entraîne une certaine forme de normativité. Ce sont aussi les clubs informels. Alors les clubs, ce n'est pas le club feutré à l'anglaise, hein, mais bon, c'est ce qu'on appelle le club de Paris, le club de Londres, dont le règlement des dettes soit public pour Paris, soit privé pour Londres. Et ce n'est pas tout. Il y a encore une catégorie qui est encore plus bizarre, qui arrive dans ce foisonnement, c'est ce qu'on appelle les instances de standardisation, les instances internationales de standardisation. Bon. Et ces instances internationales, bah, vous les retrouvez encore une fois en Suisse, du côté de Bâle, mais cette fois-ci, ce n'est pas la Banque des règlements internationaux, mais c'est un comité qui est souvent confondu avec la Banque des règlements internationaux, qu'on appelle le comité de Bâle, tout bêtement, hein, sur le contrôle bancaire. Bon, qui a une grosse influence, enfin, qui devrait d'ailleurs avoir une grosse influence, encore plus, plus que ce que je ne dis. Et ça encore, vous avez entendu parler. Après, c'est moins sûr. Bon, évidemment, je ne sais pas quelles sont vos formations, donc c'est possible. Mais si je vous dis OICV ou AICA, je ne sais pas si ces sigles vous parlent. L'OICV, c'est l'Organisation internationale des commissions de valeur. Et l'AICA, c'est l'Autorité internationale des contrôleurs d'assurance. Bon. Alors, les commissions de valeur, c'est les valeurs mobilières et les contrôleurs d'assurance. Tout ça, c'est très important en finance. Et ces organismes sont totalement moins connus. En plus, quand on dit Organisation internationale des commissions de valeur, malheureusement, ne mettez pas organisation intergouvernementale sur le devant de la porte. Non, ce n'est pas une organisation intergouvernementale. C'est une association de droit privé. Donc là aussi, en plus, on a un mélange avec les termes qui est assez difficile. C'est pour ça que je parle d'organisme. Pas d'organisation, pas de société, mais d'organisme, parce que ces organismes ont une nature juridique différente. Bon, il y en a un autre qui intervient également, qui est encore plus bizarre du point de vue de la forme juridique, qui est là plus connu, c'est le GAFI, hein, le groupe d'action financière auprès de l'OCDE, donc concernant le blanchiment d'argent. Et puis vous avez aussi un autre organisme, là aussi assez peu connu, hein, l'IASB, International Accounting Standard Board, qui est l'organisme qui réunit, pardon, les régulateurs en matière de comptabilité.
Et c'est important, la comptabilité dans les marchés financiers, parce que selon que vous utilisez une forme comptable ou une autre, vous n'arrivez pas au même résultat. Et si tout le monde n'utilise pas la même forme, eh bien, vous avez une vision faussée de ce que des résultats, décidément, je vais pousser un peu, des résultats comptables de... c'est pas bien ? J'ai mal fait ? Bon. des autres entreprises. Bon, tout ça intervient. Donc, je vais en dire quelques mots à chaque fois, mais sans m'apesantir, hein, je vous rassure. Et puis, on va essayer de voir que bah, tous ces éléments-là, avec leur forme juridique différente, avec leur nature juridique différente, on essaie de les réunir sous une forme de normativité, ce qu'on appelle les standards financiers, d'un autre organisme qui s'appelle le Conseil de stabilité financière, qui est assez récent, puisqu'il a été pensé et créé en 2008-2009, au moment de la crise financière. Et c'est dans cet organisme que l'on met un petit peu tout ce monde-là, des États, des organisations intergouvernementales, des associations privées, sans qu'il y ait une véritable hiérarchie entre ces acteurs. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire, assez moderne. Alors, ça serait encore plus extraordinaire si ça marchait bien. Enfin, au moins pour la démarche, il y a un côté moderne que je trouve assez remarquable. Alors, si on regarde un petit peu ces... Encore une fois, sans trop s'apesantir, ces différentes organisations, et notamment les organisations, j'allais dire, officielles, à vocation monétaire ou financière. Bon, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, autant parler tout d'abord rapidement du FMI, parce que je pourrais en parler longuement, mais je ne vais pas vous en parler longuement. C'est une organisation sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Bon, juste sur le FMI, une petite chose, ou quelques petites choses quand même. Bon, quand on crée le FMI en 1944 avec la Banque mondiale, c'est une organisation à vocation monétaire. Point. Il n'est pas question de finance. Hein. Bon. Et d'ailleurs, le Fonds monétaire a pour objectif de contrôler la fluidité de ce qu'on appelle les transactions courantes. Autrement dit, l'économie réelle. Voilà, vous achetez des biens à l'étranger, ces biens sont payés. On vérifie que tout ça se passe clairement, sainement, et que la monnaie peut circuler pour payer ces biens. Et justement, le Fonds monétaire ne se préoccupe pas de ce qu'on appelait à l'époque les mouvements de capitaux, ce qu'on appellerait aujourd'hui les mouvements financiers. Mouvements de capitaux, c'est un terme un peu plus daté. Hein, voilà. Il ne s'en préoccupait pas du tout. C'était laissé aux États. Et les statuts, très clairement, vous indiquent, d'une manière d'ailleurs un peu plus compliquée que ce que je ne dis, que ces mouvements financiers sont à la charge des États. Donc, si vous voulez, péché originel du Fonds monétaire en 1944, mais ce n'est pas vraiment un péché, il s'occupe de la monnaie, il ne veut pas s'occuper de la finance. Aujourd'hui, la monnaie, il ne peut plus vraiment s'en occuper parce que le lien normatif a été rompu. Il aimerait bien s'occuper de la finance, mais c'est difficile de revenir sur des statuts qui ne prévoient pas cette mission explicite. Hein. Donc, notre Fonds monétaire international, il est véritablement formaté pour la monnaie, mais je vous rassure, il arrive quand même à s'immiscer dans le domaine financier aujourd'hui, bon, notamment avec la Banque mondiale, mais pas seulement, mais par d'autres biais également. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, parce que finalement, sur le Fonds monétaire, ça n'a pas tant changé que cela, c'est qu'à l'origine, notre Fonds monétaire, il a une mission qui est purement normative. Bon, on lui donne des statuts. Dans ces statuts, il y a deux articles importants, bon, peu importe pour nous, c'est l'article 4 et 8, qui sont la surveillance de la parité des monnaies et la surveillance de la convertibilité des monnaies. Donc on exige que les États aient une parité fixe entre les monnaies, période que nous avons évidemment tous oubliée, où la valeur d'une monnaie ne changeait pas par rapport à une autre d'un jour sur l'autre. Voilà. Donc ça, c'était la parité et la convertibilité. Donc c'était que les monnaies soient finalement convertibles les unes avec les autres ou entre les autres, de manière à ce qu'il y ait justement un commerce fluide. Il a cette mission, et le Fonds monétaire, il a cette mission en 1944 pour une raison bien simple, pour rendre le commerce plus fluide. Le Fonds monétaire, la monnaie, en soi, ça sert à rien. Hein. C'est vu pour le Fonds monétaire comme étant un vecteur à des échanges, et l'objectif, c'est le commerce plus libre. Alors évidemment, ça aurait été peut-être plus, décidément, plus simple si la fameuse Organisation internationale du commerce avait été créée avec la charte de la Havane. Finalement, on attendait de compléter un peu le schéma. Bon, il a fallu attendre, comme vous le savez, l'OMC, bien plus tard, pour que ceci se complète. Mais le Fonds monétaire est un peu, finalement, orphelin, sans quelque chose, sans une organisation commerciale à côté, parce que lui, il est là pour aider le commerce plus libre, pour une action normative et monétaire. Bon, et dans les statuts du Fonds monétaire, n'apparaît que, en filigrane, très peu, l'action opérationnelle.
celle que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les politiques d'ajustement, les achats de monnaie par les États, voire les prêts aux États aujourd'hui. Donc l'action opérationnelle, qui est la seule chose qu'on connaisse véritablement du FMI, en 1944, c'est pratiquement rien. C'est tout à fait marginal. Ça existe juste temporairement pour aider les États à revenir dans le droit chemin. Bon. Et notre fonds monétaire, évidemment, il a été amené à partir des années 70, c'est-à-dire quand les normes monétaires disparaissent, a retrouvé un rôle, il l'a retrouvé dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il a compensé son absence d'action normative par une action opérationnelle redoublée, et c'est la fameuse période d'or de la conditionnalité. Il n'empêche que cette conditionnalité, au début des années 2000, elle est en train de fléchir. Bon, pourquoi ? Bah, parce qu'au miracle, ça n'arrive pas si souvent. En gros, les États sont plutôt en bonne santé. Pas tous, bien sûr. Disons, les principaux, les émergents émergent. Voilà. Et finalement, le Fonds monétaire n'a plus de gros clients. Donc, il perd un petit peu du terrain. Il n'a plus de contrôle normatif. Il a de moins en moins de contrôle opérationnel. Au miracle, la crise de 2007-2008 arrive. Il va retrouver un rôle, non seulement opérationnel, parce que des États vont avoir besoin de lui, à commencer par des États européens. Ce qui, bon, maintenant est un peu rentré dans les mœurs, mais ce qui, je peux vous dire, était un peu surprenant lorsqu'on a vu le Fonds monétaire arriver pour la Grèce, l'Irlande, le Portugal, etc. C'était pas arrivé depuis 1976. Le dernier État européen à avoir utilisé le Fonds monétaire, c'était le Royaume-Uni en 1976. Donc voilà, hein, bon, petite révolution. Et puis, il a réussi aussi à revenir un petit peu dans le circuit, justement, du contrôle financier. Voilà. On va voir comment. Mais il faut bien comprendre que le paysage de 1944, ça aurait été beaucoup plus simple de vous l'expliquer à l'époque, il était clair et simple. Il y avait un système monétaire sous l'égide du droit international public. Très bien. À partir des années 70, le système monétaire éclate. Donc, il y a une renationalisation des monnaies. Les États retrouvent une souveraineté en matière monétaire. Certains décident d'utiliser cette souveraineté pour faire une entente régionale. C'est l'exemple de l'Europe, entre autres. Donc, l'Europe, c'est l'exemple le plus achevé. Mais, parallèlement à tout ça, vous avez un système privé qui apparaît. Un système privé, un système au départ interbancaire, et puis ensuite ça ne va pas seulement être interbancaire, parce que ça va être désintermédié, comme on dit, qui progresse, notamment avec les pétrodollars, et qui va finir par submerger le système public. À tel point que, dans les années 70, ça paraît irréaliste aujourd'hui, c'est la Banque centrale qui définit le cours de la monnaie. Aujourd'hui, c'est le marché qui définit le cours de la monnaie, ce n'est pas la Banque centrale. La Banque centrale, elle arrive à la rescousse si jamais il y a vraiment un peu trop de tangage, mais ce n'est pas elle qui définit. Donc, on a aujourd'hui un paysage qui est évidemment complexe à partir de ce FMI simple, où on a encore un peu de droit international public, bon, mais plus beaucoup, hein, voilà, un peu de FMI et un peu quand même d'autres organisations. On a du droit national. C'est le cas pour les États-Unis, c'est le cas pour la Chine. Je prends les pays qui ont une influence monétaire importante. On a du droit régional, c'est l'exemple européen et quelques autres quand même. Voilà. Et on a du droit, alors, pas international privé, pas tout à fait transnational, on a ce système privé. Et tout ça, c'est en même temps. C'est pour ça que le système financier, finalement, il est complexe et qu'il emprunte à toutes les branches du droit. C'est parce que tout ceci est venu se télescoper au même moment. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, à côté de ce fonds monétaire, bon, qui a priori était véritablement empereur en son royaume, au moins jusqu'aux années 60, bon, il n'y a pas vraiment d'organisation qui s'occupe de la monnaie ou de la finance, et il y a quand même, j'allais dire, cette vieille banque des règlements internationaux, vieille puisque quand même elle date de 1930, donc c'est a priori le plus ancien organisme en matière monétaire et financière. Donc cette banque des règlements internationaux, dont on sait qu'elle avait été créée pour gérer le plan Jung, les réparations de guerre allemande, donc après la Première Guerre mondiale, et évidemment, ensuite, ceci s'est profilé différemment. Alors, là, on commence à trouver, avec la Banque des règlements internationaux, un problème qu'on va trouver pour les autres organismes plus tard. Bon, la Banque des règlements internationaux, voilà, hein, organisme intergouvernemental, à la fois banque et organisation, on connaît son côté un peu hybride, mais en gros, ça couvre 60 banques centrales. Donc, si on prend le chiffre onusien, 193 États, on voit qu'il en manque beaucoup. Et là, c'est le début d'un phénomène qui est très prégnant en matière financière, à savoir que vous allez avoir des organismes avec une composition restreinte, oui, mais des organismes qui, par leur puissance,
s'imposent aux autres, veulent s'imposer aux autres, et qui vont finalement s'imposer aux autres. On peut reprocher la même chose au FMI avec le vote pondéré, en disant, bah oui, enfin bon, d'accord, il y a presque tout le monde, hein, il y a 189 États au FMI aujourd'hui, enfin, on sait pertinemment qu'avec les quotes-parts, même si avec le nouvel amendement, ça a un peu changé, avec les quotes-parts, bon, voilà, c'est la place aux plus puissants. Il n'empêche que, bon, il y a quand même une participation des autres, alors que dans ces organismes que je vais voir, au moins pour les instances privées, c'est une participation très restreinte, souvent. Hein, donc, et on le retrouve avec la Banque des règlements internationaux. Alors, le paradoxe, c'est que cette Banque des règlements internationaux, bon, une sorte... voilà, de centre de réflexion et aussi d'ailleurs de régulation des aspects financiers internationaux, elle est finalement presque plus connue comme étant une terre d'accueil de différents comités, dont le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, mais d'autres aussi d'ailleurs, hein, bon, le comité sur le système financier mondial, sur les paiements et les infrastructures, bref, il y a pas mal de comités qui sont accueillis par cette Banque des règlements internationaux. Et c'est assez logiquement, je vais le voir après, que cette banque accueille le fameux nouveau Conseil de stabilité financière. Alors, toujours une sorte de, j'allais dire, de jeu de dupes juridique qui consiste à dire c'est pas la banque elle est là juste pour mettre de la lumière, le chauffage, une table et que vous discutiez. Et donc il n'y a pas de lien juridique entre tous ces comités et la banque. C'est vrai. Il n'empêche que les personnes sont quand même souvent les mêmes entre ces comités et cette banque, et qu'évidemment, il y a une symbiose au moins sur la pensée économique et sur la manière de réagir. Voilà, et si on voulait vraiment au sens strict dire quelles sont les organisations à vocation monétaire ou financière, on s'arrêterait là, FMI et Banque des règlements internationaux. Alors, on pousse un tout petit peu plus loin, on revient sur des terres qui sont beaucoup plus connues, j'en suis certain pour vous, sur les organisations qui interagissent dans le domaine financier. Alors, j'aurais presque honte, vu son importance par ailleurs, de dire que je vais rester 30 secondes sur l'ONU. Bon, parce que malheureusement, quelle que soit la multiplicité des mécanismes, des commissions, des organes qui peuvent exister au sein des Nations Unies dans ce domaine-là, il faut bien reconnaître que l'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors, normalement, nous aurions dû avoir un organe principal, enfin, oui, c'est un des organes principaux, un organe essentiel pour la question financière, qui est l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies, qui, après tout, c'est lui qui est censé gérer donc les institutions spécialisées et donc aussi coordonner le FMI, la Banque mondiale, voilà, ces organismes-là, tel que le prévoit la charte en 1945, c'est quand même l'ECOSOC qui doit donner le la sur les politiques de ces organisations. On sait qu'ils n'ont fut rien et que le FMI, par exemple, a été tout à fait autonome, et a même, on pourrait le dire, suivi une politique d'orthodoxie libérale qui était très très loin de la voie dominante de l'ECOSOC, au moins au grand temps du droit du développement, mais même après. Donc on voit bien que tout ceci est quand même assez loin. Alors on pourrait me dire qu'à travers les objectifs du millénaire devenus les objectifs du développement durable, et puis j'attends de savoir, enfin, j'espère que je serai encore là en 2030, quel sera le prochain nom donné, voilà. Et surtout, en plaisantant, je dis toujours, mais quel millénaire, parce que bon, celui-ci, j'ai l'impression que c'est un peu raté, en tout cas. Mais bref, non, mais je ne suis pas aussi pessimiste que ça, mais voilà, bon, il y a quand même un côté, politiquement correct, langage de coton, qui, on voit bien quand même que c'est un petit peu difficile derrière, malgré de très bonnes initiatives, de progresser. Alors, plus sérieusement, ça fera plaisir à Laurence, quand même, la Banque mondiale. Bon, là, véritablement, je pense un rôle plus ancré sur le plan financier. Alors, la Banque mondiale, en 1944, c'est l'inverse du FMI. Ça doit être purement opérationnel. Voilà, ça n'a pas de vocation normative. Et comme le disait Keynes en 1944, je pense que tu connais ce bon mot, la banque deviendra un fonds et le fonds deviendra une banque. C'est pas loin d'être vrai. Alors, pas au sens juridique. Mais d'abord parce que le Fonds monétaire agit de plus en plus à travers des prêts comme une banque, ce qui n'était pas le cas avant, et parce que la Banque mondiale interagit de plus en plus, non pas comme un fonds au sens strict, mais en tout cas une voie dans les politiques économiques qui est bien supérieure aux simples prêts conjoncturels qu'elle pouvait octroyer. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que finalement, la banque faisait son petit travail dans son coin et... du point de vue financier, on voit apparaître quand même une liaison importante entre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
Alors, dans les années 90, et ça se concrétise surtout à partir de 2000, avec enfin un rapprochement et un travail en commun. Alors, ce sont les documents donc, de politique économique, et c'est aussi certaines initiatives, hein, le PPTE, l'initiative pour les pays pauvres très endettés, ou la facilité donc, pour la réduction de la pauvreté et de la croissance. Bon, voilà, tout ça est travaillé entre le FMI et la Banque mondiale. Il faudrait longtemps pour expliquer tous les linéaments entre ces deux organisations. Mais finalement, ce qu'on veut éviter, c'est un double écueil. Bon, que chacun fasse dans son coin, finalement, sa petite politique, et puis aussi éviter la double conditionnalité, parce que la Banque mondiale, bah, elle demande aussi à revoir son argent, c'est logique, le Fonds monétaire, ça, on le sait. Bon, il ne s'agit pas que le pays soit doublement puni, en quelque sorte. Et donc, on va retrouver là, une certaine symbiose. Alors, je ne sais pas si c'est une symbiose totale entre les deux organisations, peut-être pas, mais une certaine symbiose entre les deux organisations de manière à aller dans le même sens. Puis bon, je crois que la Banque mondiale va de plus en plus sur des politiques d'ajustement, j'allais dire générales, transversales, ce que finalement faisait le Fonds monétaire. Bon, c'est pas uniquement on vous prête de l'argent pour construire des routes ou construire des écoles, c'est aussi maintenant des prêts donc structurels. Donc finalement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire se retrouvent de ce côté-là. Donc là aussi, par ce biais-là, la Banque mondiale bon, interagit un petit peu dans le domaine financier. Évidemment, c'est le cas de l'OMC. Bon, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'OMC, après tout, c'est l'objectif ultime du Fonds monétaire international, c'est, bah voilà, on va réguler la monnaie de manière à avoir un commerce plus fluide. Bon, on a l'OMC, on a des règles en matière de commerce, donc on devrait être heureux. Bon, on ne l'est pas tant que ça, finalement. On ne l'est pas tant que ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que, finalement, la liaison entre le FMI et l'OMC n'est pas si bonne que cela. Hein. Donc c'est vrai, il y a des articles dans les statuts du Fonds monétaire, c'est l'article 10 ou c'est l'article 5 de l'accord donc, qui crée l'OMC, bon, qui parle de coopération avec les autres organisations. Et au tout début de l'OMC, en 1996, au moment de la première conférence ministérielle, vous avez un accord à Singapour entre le Fonds monétaire et l'OMC. Bon, l'accord est très gentil, voilà, il pose les choses, on va coopérer, on va s'échanger les informations, etc., etc. Mais ça ne va pas extrêmement loin et malgré tout, il n'y a pas une concordance. Et c'est d'autant plus dommage que, bien évidemment, on ne peut pas parler de finance si on ne parle pas OMC, on ne peut pas parler d'OMC si on ne parle pas de finance, etc. Bon, voilà, la finance et l'OMC, c'est consubstantiel. Alors, à travers notamment l'accord sur les services, là c'est bien évident, puisque vous avez un protocole sur les services financiers, bon, hein, qui ouvre les services financiers et la finance passe par là. Mais sur l'ensemble des domaines. Alors c'est un peu le problème de l'OMC, mais c'est aussi sans doute sa grande richesse, ce qu'on pourrait appeler une organisation englobante, à savoir que quand vous faites du commerce, vous faites un peu de tout. Voilà, vous faites de la santé, vous faites de l'environnement, vous faites de la monnaie, vous faites de la finance, vous faites un peu de tout. Bon, et c'est la raison pour laquelle l'OMC doit absolument compter dans les acteurs. Et je trouve que du point de vue financier, bah, malheureusement, sa voix est quand même assez faible. Alors ça peut s'expliquer de différentes manières. La manière la plus simple ou la plus simpliste de l'expliquer, c'est de dire, bah oui, mais l'OMC, c'est un État, une voix, donc les équilibres politiques ne sont pas les mêmes qu'au Fonds monétaire international, même si, encore une fois, on a revu les quotes-parts récemment. Et maintenant, la Chine est au troisième rang du FMI. Bon, voilà. Hein, et, vous avez le Brésil, par exemple, qui est dans les 10, etc. Bon, les pays émergents ont été intégrés, et puis bah, les autres ont un peu reculé. Alors, toujours dans mon petit tour d'horizon, on pourrait aussi, bien sûr, citer l'OCDE. Hein. Alors, l'OCDE, là aussi, il y a une sorte de private joke sur l'OCDE, c'est qu'on pourrait poser un examen, c'est vous dire, bah, allez, prenez une feuille, vous avez 3 heures pour me dire ce que fait l'OCDE. Et en fait, vous allez voir que si vous réfléchissez bien, bah, l'OCDE fait un peu de tout aussi. Hein. Donc, c'est très, très difficile de déterminer le rôle précis de cette organisation. Elle, c'est une vraie organisation, donc, qui siège à Paris. Alors, malgré tout, pour notre domaine, justement, en quoi l'OCDE est importante pour le domaine financier ? Bah, elle l'est depuis longtemps, puisque c'est quand même le premier code de libéralisation des mouvements de capitaux, c'est l'OCDE, 1961. Il ne faut pas l'oublier, ça a été un précurseur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on dirait précurseur, parce que précurseur, c'est positif comme terme. Bon, on se dit libéraliser les capitaux, bon, c'était peut-être pas forcément une excellente chose, puisque évidemment, ça a poussé à un excès.
Il se trouve qu'au début des années 60, on trouvait que c'était bien de libéraliser les capitaux. Bon, il y a ce fameux code de l'OCDE, doublé d'ailleurs par le code de libération des opérations invisibles courantes, un terme un peu obscur, mais qui veut tout simplement dire les services financiers. Il y a toute l'action de l'OCDE aussi, bien sûr, en matière de gouvernance d'entreprise, parce que là aussi, vous ne pouvez pas dissocier ce qu'on appelle la corporate governance des actions financières. Bon, là, c'est le fameux scandale Enron aux États-Unis à partir de 2001 qui nous montre la chaîne de dysfonctionnement dans une entreprise. Les agences de notation, les cabinets d'audit, les avocats, enfin tout le monde, hein, tout le monde, c'était une catastrophe à peu près absolue. Bon, à partir de ce moment-là, l'OCDE donc produit ses principes de gouvernement d'entreprise. Et évidemment, dans ces principes, il y a aussi une saine gestion financière. Donc ça participe, là aussi, à la finance et au contrôle de la finance. Et il y a bien sûr les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, bon, qui sont bien connus et qui là aussi essaient de, au moins de moraliser les mouvements financiers tant que faire se peut. Bon, voilà, on a déjà tout ce petit monde, alors ça ne suffit pas. Tout ce petit monde, il est un peu chapeauté par ce qu'on appelle les forums intergouvernementaux. Et là, on quitte le socle de l'organisation. Jusqu'à présent, on a parlé d'organisation. Bon, avec un traité, une charte, des obligations, etc. Et là, on quitte ce socle et on regarde du côté de ce qui est bien connu, des groupes informels. Alors, bon, je ne vais pas vous faire tout l'historique des groupes informels, c'est un peu compliqué. Et puis, alors, il y a encore beaucoup plus de groupes qu'on ne pense. On découvre tous les jours des groupes. Bon, alors, si on prend l'essentiel, bon, les groupes informels, hein, c'est bien sûr les G10, G7, G20, etc. Bon, si on prend l'essentiel, on s'aperçoit quand même que. Le premier groupe important, c'est le G10. Et c'est le G10, c'est-à-dire les 10 principales puissances économiques, qui apparaît en 1962. Il apparaît en 1962, ce G10, et il apparaît comment ? À côté du Fonds monétaire international. C'est une émanation du Fonds monétaire international. Bon, à l'époque, c'est un problème un peu complexe. On a créé ce qu'on appelait les accords généraux d'emprunt. Bon, donc c'est les emprunts multilatéraux que le Fonds monétaire donc, a utilisés. Et c'est les 10 principales puissances qui se sont érigées en groupe de direction. Et ce G10 au FMI, bah, c'est lui qui va décider de la création des DTS en 1969. Et c'est lui qui va décider aussi d'accords provisoires quand le système va s'écrouler. C'est les accords de Washington de 1971. Le G10 dit on fait ça, on passe le papier avec les décisions au Conseil d'administration du Fonds monétaire. Et le Conseil d'administration, avec l'aval du Conseil des gouverneurs, entérine en quelque sorte. Bon, donc on voit bien que cette direction du G10, elle était déjà importante. Alors après, vous avez la grande histoire du G7, qui d'abord était 5 au départ. Hein. Le premier G dans ce cadre-là, c'est le sommet de Rambouillet en 1975, avec 5 États. Bon, ça deviendra 7 et 8 quand on veut bien y mettre la Russie, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, qui évidemment va avoir une grande importance. Et le G20, bon, qui apparaît, lui, en 1999, discrètement. Mais ça va avoir son importance, je vais y revenir dans un instant. Et qui prend évidemment son ampleur avec la crise de 2008-2009. Aujourd'hui, bon, j'allais dire que le G7, il est passé à la trappe ou presque, et ne compte plus que ce G20. Alors, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de parler du contour de ces différents groupes, c'est aussi parce que ces groupes, quoi qu'on en dise, Bon, le juriste pur va nous dire « Ah, c'est des groupes politiques, ils se réunissent, ils décident des choses, mais ça n'a aucune force obligatoire. » Moi, je veux bien, mais quand le G20 décide de créer le Conseil de stabilité financière, ça existe. Et quand il demande au FMI de créer certaines politiques spécifiques, pas seulement récemment, c'est un G, à l'époque, c'était pas le 20, c'était le 7, qui a demandé au FMI de créer une politique spécifique pour la Russie au moment de la transition. Parce que, en gros, too big to fail, c'est-à-dire, bon, voilà, il fallait sauver la Russie, on ne pouvait pas la laisser tomber. Et le FMI, je peux vous assurer qu'à l'époque, il n'en avait pas du tout envie de cette politique. Il savait que c'était à fond perdu. Bon, et d'ailleurs, c'était effectivement un front perdu. Mais voilà, il a suivi les instructions du G7. Hein. Donc, moi, je veux bien qu'on isole politiquement ces groupes en me disant que ça n'a aucune importance. Il n'empêche que c'est des groupes de direction qui se traduisent par des normes produites par des organisations et que ça a donc une importance. Et dans ces forums, bien sûr, hein, je le disais tout à l'heure, il faut ajouter, bon, je le dis en passant, hein, les clubs, bon, le club de Paris, restructuration de la dette publique. Je me suis intéressé il n'y a pas très longtemps, 415 accords de restructuration de la dette publique dans le club de Paris pour 87 États.
c'est pas négligeable. Hein, voilà, bon, alors c'est un club, on n'entend pas parler. Il n'y a pas de secrétariat. Il y a quand même une thèse dessus. Hein. Donc, mais il n'y a pas de secrétariat, mais ça fonctionne. Voilà. Et le club de Londres, qui est lui le pendant de la restructuration pour les dettes privées, dans ce cadre-là. Alors, ça fait déjà pas mal, mais intervient là-dessus des organismes qui sont souvent plus récents, qui sont justement nos organismes internationaux de standardisation. Hein. Bon, voilà, les organismes privés de standardisation. Alors, il s'agit d'ovnis juridiques. Je vous préviens d'avance. Hein, voilà, quasiment inclassable, inclassable, mais important. Bon, je reviens juste rapidement sur mon comité de Bâle sur le contrôle bancaire, parce que tiens, qui a eu l'idée du comité de Bâle sur le contrôle bancaire ? Bon, je ne vais pas vous interroger, c'est moi qui suis là pour parler. Ben, c'est le G10. Hein, c'est le G10 réuni au niveau des banques centrales des 10 principaux États. Ce fameux G10 dont je parlais il y a un instant, c'est lui qui dit, bah, tiens, on va créer un comité de contrôle, bon, il n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais peu importe, hein, de contrôle bancaire. Bon, pourquoi ? Parce que ça apparaît en 1974, tout simplement parce que bon, il y a une série de faillites retentissantes de banques. Donc on décide que, bah, qu'il faudrait peut-être faire attention un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui les règles prudentielles en matière bancaire, et c'est bien sûr le rôle de ce comité de Bâle. Alors ce comité de Bâle, aujourd'hui, il y a 27 juridictions représentées. Bon, voilà, donc là aussi, c'est un groupe assez restreint. Bon. Vous avez aussi certaines instances internationales, le FMI y participe, la Banque Centrale Européenne y participe, et également l'Autorité Bancaire Européenne. Tout ça participe. Bon, alors vous arrivez à une grosse trentaine de participants. Ce comité de Bâle, au passage, il ne possède pas de statut juridique. Alors, il nous a quand même produit une charte. En janvier 2013, il y a eu une charte du comité de Bâle. On se dit, ah, bon, une charte, donc ça y est, il va s'officialiser. Non, 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 parce qu'il nous dit dans la charte, écoutez, moi, je ne suis rien du tout. Je n'ai pas de personnalité juridique. Et tout ce que je raconte, c'est aux États de le prendre en compte. Autrement dit, il propose des normes que les États sont chargés de reprendre. De reprendre et de passer à la moulinette du droit dur. C'est-à-dire, soit par une loi, soit, si c'est au niveau européen, par une directive ou un règlement. En gros, le comité lui propose. Il propose, mais comme il propose des choses auxquelles on peut difficilement échapper, eh bien, évidemment, c'est une forme de proposition, imposition. Mais la charte de janvier 2013 était assez décevante parce que il ne se situe pas, toujours pas, du point de vue, a priori, du point de vue juridique. Et il fonctionne par le système, disons, bottom-up ou unilatéralisme convergent, en proposant aux États qui reprennent. Bon, bah, c'est comme ça que fonctionnent notamment nos fameux accords de Bâle. Hein, donc on multiplie les exemplaires. Les accords de Bâle, c'est bien, c'est éternel, parce que quand il y en a un qui est en vigueur, il est déjà dépassé, donc on prépare le prochain, et ainsi de suite, comme ça. Bon, voilà. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup des fonds propres des banques, qui est un gros problème. En gros, la banque doit prêter si elle a suffisamment de fonds propres. Et on dit, bon, il faudrait un ratio de 7%, puis il faudrait rajouter 2% de sécurité. Bon. En gros, on demande aux banques d'avoir 10% en caisse de ce qu'elles vous prêtent. Ne soyez pas effrayés, hein. Voilà. Mais c'est à peu près ce qu'elles possèdent quand tout va bien. Mais si on se rappelle bien, le premier concordat de Bâle en 1975, c'était déjà ça. C'était les fonds propres des banques. Hein, c'était ce qu'on appelait le ratio Cook, c'est-à-dire un ratio qu'on demandait aux banques d'avoir au minimum lorsqu'elles prêtaient. Parce qu'évidemment, c'est un des gros problèmes du système financier. Quand une banque vous prête 100 et qu'elle ne possède que 10 en caisse, tant que ça se passe bien et que les circuits financiers, j'allais dire, continuent d'être en l'air, tout va bien. Mais s'il y a un crash à un moment donné, si ça s'arrête, évidemment, la chaîne de remboursement est impossible. Bon, et encore, je fais très simple, hein, là. Je fais sans les produits dérivés. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et déjà en 1975, on voulait ça. Le comité de Bâle voulait cette règle-là. Et qu'est-ce qui s'est passé après, quand le comité de Bâle a produit ce ratio Cook, les banques ont dit, oh là là, bon, alors, il va falloir que j'ai beaucoup de fonds propres en caisse pour pouvoir prêter, c'est pas possible, ça, bon, je vais pas pouvoir faire de, finalement, fonctionner financièrement de cette manière-là. Ils ont créé quelque chose de miraculeux qui s'appelle la titrisation. Voilà, ils transforment les crédits bancaires en titres de propriété autres, comme ça, ça sort du bilan des banques. Voilà. La titrisation est née du détournement des premiers accords de Bâle. C'est pour ça que les accords de Bâle, c'est toujours un peu quelque chose qu'on remet sur le tapis, parce que, évidemment, il y a toujours l'inventivité, y compris de certains de mes collègues, hein, parce qu'il y a des juristes qui travaillent au détournement de tout ça, hein, c'est pas seulement des financiers. Quoi qu'il en soit, ce comité de Bâle, il a évidemment pris une ampleur qui est
importante, et c'est une ampleur importante d'un comité qui, encore une fois, juridiquement, n'a pas d'identité. Bon, hein, bon, tout le monde connaît quand même les accords de Bâle. Alors, vous avez aussi, à côté de ça, ce que j'ai appelé, enfin ce que j'appelle, ce qui s'appelle l'OICV et l'AICA. Donc l'OICV, je rappelle, ça veut dire Organisation Internationale des Commissions de Valeurs, donc sous-entendez les valeurs mobilières, et l'AICA, donc l'Autorité Internationale des Contrôleurs d'Assurance. Bon, c'est deux organismes qu'on connaît très peu. Alors, ça réunit quoi, en fait, cette OICV, cette Organisation Internationale des Commissions de Valeurs? Ça réunit les régulateurs des marchés financiers, les régulateurs nationaux des marchés financiers. Bon, en France, on a l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Bon, ben voilà, il y en a dans chaque État. Parfois, il y en a plusieurs, parce qu'il y a des structurations qui sont différentes. Et aujourd'hui, l'OICV, ça réunit près de 120 États. Bon, alors vous allez me dire, ben, c'est bien, ce sont des États. Oui, mais l'OICV, ce n'est pas une organisation. C'est une association de droit privé, et de droit privé espagnol, d'ailleurs. Bon, pourquoi droit privé espagnol? Ça a son siège à Madrid, tout simplement parce que l'Espagne, à ce moment-là, avait, disons, consenti quelques largesses fiscales à l'association pour s'installer, donc immunité, exemption d'impôts de ceux qui travaillaient, etc. Donc ils ont trouvé que c'était bien de s'installer en Espagne. Donc, voilà. Et cette OICV, c'est une organisation très importante. C'est une organisation importante, mais qui est une simple association qui réunit des régulateurs, pas des États, parce qu'il y a certains régulateurs qui sont purement privés dans certains États, et qui pourtant a une action, justement, sur la coordination de la régulation, enfin, des régulateurs financiers. Il en va de même pour l'AICA, donc pour les contrôleurs, l'association des contrôleurs d'après-vente, d'assurance. L'assurance est aussi un acteur très important dans les marchés financiers, c'est parmi les principaux investisseurs, hein. C'est pour ça que vous payez cher d'assurance alors que vous n'êtes jamais malade. C'est pour ça qu'ils investissent. Hein. Bon, donc, ces assureurs, c'est des acteurs qui sont extrêmement importants. À l'origine de cette association, c'est une association purement américaine. Voilà. Purement américaine, qui réunissait les 50 autorités de régulation des assurances des États fédérés américains. Bon. Puis un jour, ils ont décidé d'inviter un petit peu des étrangers. On dit, tiens, on va discuter pour voir comment on régule les assurances. Et c'est en 1996... que l'AICA donc, est devenue officiellement une association internationale. Et devinez où elle réside, cette AICA? Eh bien, au siège de la Banque des règlements internationaux. Toujours à Bâle. Vous avez du monde à côté, hein, vous voyez, du beau monde même. Hein. Alors, elle dispose, elle, d'une personnalité juridique, comme l'OICV. Mais c'est une association de droit privé. Voilà. Donc, c'est une personnalité juridique de droit privé. Et là aussi, avec une grande efficacité, aujourd'hui, pas loin de 140 régulateurs. Bon, autorité de régulation des assurances, qui se réunissent dans ce cadre-là. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce que l'OICV, l'AICA, ils invitent aussi un petit peu les personnes publiques. Donc, vous avez des statuts de membres associés, vous avez des statuts d'observateurs, c'est comme ça que vous avez le FMI, vous avez la Banque Centrale Européenne, qui y sont. Et puis, vous avez aussi des statuts dits de membres affiliés, et là, vous avez des acteurs privés. Bon, les grosses compagnies d'assurance participent aussi à ces associations. Ce sont des membres affiliés. Alors, bon, évidemment, ils n'ont pas les mêmes droits à l'intérieur, mais on voit bien que c'est une structuration qui ressemble à une organisation, qui est une association de droit privé et qui réunit un petit peu tout le monde. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez aussi, bon, je parlerai de GAFI après, vous avez aussi l'IASB, à peu près aussi inconnu que ce qui précède. Hein. Encore une fois, c'est l'International Accounting Standard Board. Donc, c'est l'association qui réunit les experts en matière de comptabilité. Et là, on est dans un groupe. Alors, c'est une association qui est née en 1973 à Londres, là aussi, quelque chose de très privé, qui s'est étendue. Et aujourd'hui, c'est composé de 14 membres parmi les États qui ont des systèmes comptables importants. Bon, voilà, donc c'est extrêmement restreint. Alors, ça siège toujours un petit peu à Londres, mais sous l'égide d'une fondation qui, elle, siège aux États-Unis. Mais, encore une fois, c'est purement une association privée. Or, cette association privée, elle définit le référentiel en matière comptable. Et, par exemple, vous avez une directive européenne de 2002 qui reprend ce référentiel avec quelques modifications pour les entreprises européennes cotées en bourse.
Ça veut dire que c'est l'association de droit privé qui produit la norme, qui n'impose pas, mais qui est reprise par la directive et qui finalement s'impose à tous les États membres de l'Union européenne. Voilà. Hein. Bon, alors ça a été évidemment un problème au moment de la crise financière, puisque entre la valeur comptable d'une entreprise, entre la valeur en bourse et la valeur réelle, la comptabilité change et évidemment la santé de l'entreprise change. Et aujourd'hui, les normes de cette association sont reprises par environ 120 États. Bon, alors, c'est de l'Europe que je viens de le dire, mais aussi d'autres. Hein. Donc, on le voit bien, une association privée qui, là aussi, avec un groupe très restreint, impose des normes en matière financière qui sont importantes, qui sont les normes comptables. Et je vous le disais aussi, au départ, je le mets un peu à part, parce que justement, ils ne sont pas dans les standards financiers, mais le GAFI, hein, le groupe d'action financière, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que le groupe d'action financière, c'est un groupe qui est hébergé par l'OCDE. Alors là encore, c'est la même chose. Hein, l'OCDE leur prête le gîte et le couvert, mais officiellement, ce n'est pas l'OCDE, mais c'est un peu la même structure que l'OCDE, c'est-à-dire une quarantaine d'États, en gros. Et donc, ce GAFI qui a pour objet de lutter contre le blanchiment d'argent. Alors au départ, c'était trafic de stupéfiants. Et puis après 2001, on a ajouté le terrorisme. Bon, voilà, donc il y avait des recommandations. On a ajouté des recommandations pour lutter contre le terrorisme. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas véritablement de statut juridique, qui fonctionne alors plus ou moins bien, mais qui a évidemment un rôle important. On considère quand même que le blanchiment, évidemment, les chiffres sont très difficiles, c'est quand même au moins 5% des mouvements financiers. Alors, on va me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que 5% des mouvements financiers actuels, c'est pas si mal. Bon, et encore, le chiffre de 5% est certainement en deçà de la vérité. Bon, donc ça veut dire que ce contrôle-là est évidemment très important et que ça se relie à l'OCDE dans le travail sur les paradis fiscaux, qui là aussi sont importants. Bon, hein. Donc, tout ce petit monde, finalement, travaille d'une manière ou d'une autre sur la finance. Vous remarquerez qu'à chaque fois, la création de ces organismes est une création qui est presque due au hasard et qui est finalement une entente entre des États ou des opérateurs. Et tout ça n'est pas coordonné. Alors, je vais quand même, pour finir, je ne vais pas vous dire trop longtemps, parce que, je parle depuis déjà un petit moment, vous dire comment tout ceci se rejoint un peu aujourd'hui. Parce que on a l'impression que c'est la grande pagaille. Ça se rejoint aujourd'hui. Ça se rejoint depuis finalement quelques années d'une certaine manière. Bon, disons que jusqu'à la fin des années 90, et après tout, c'est pas très ancien, hein, vous étiez nés, bon, voilà. Je dis toujours ça aux étudiants pour leur dire, attendez, on n'est pas dans la préhistoire, hein, voilà. Jusqu'à la fin des années 90, en gros, il y a très très peu de coordination entre tout ça. Vous avez simplement, en 1993, l'OICV, le comité de Bâle et l'AICA, l'assurance et commission de valeur et le contrôle bancaire, qui font des réunions tripartites. Bon, voilà, ils essayent de voir si finalement il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes communs. Et ils vont créer en 1996 ce qu'on appelle le Joint Forum, le forum joint. Hein. Bon, c'est des réunions, mais ça ne va pas très très loin. Finalement, l'évolution commence à être positive entre 1999 et 2008. Là, on se rapproche. Bon. Pourquoi ? Parce que la deuxième partie des années 90, c'est une période où il y a eu beaucoup de crises financières. Pour ça, faire attention, hein, 2008, c'est important, mais c'est pas la première, c'est pas la dernière, malheureusement, j'en ai peur. Bien. Donc, milieu des années 95, vous avez la faillite de banque, la Barings, vous avez la faillite de hedge fund. Bon, voilà, ces fameux fonds fournissent des services financiers en dehors des banques. Vous avez la crise mexicaine, vous avez la crise russe, 94 pour le Mexique, 98 pour la Russie, puis vous avez surtout la crise asiatique avec ce qu'on a appelé les dragons ou les tigres, c'est-à-dire ces pays émergents d'Asie, qui sont, j'allais dire, allés un peu trop vite dans leur croissance, sans surface financière très solide, et puis d'un seul coup, tout ça s'écroule un peu. Donc, comme les crises sont un peu mondialisées entre le Mexique, la Russie et les pays d'Asie, on a une conception, on commence à se dire qu'il faut une conception holiste ou globale, si vous préférez, de la gestion de cette crise financière. Et c'est la raison pour laquelle le G7 de 1998 va confier une mission à un monsieur qui est le président de la Bundesbank de l'époque, d'essayer de réfléchir à une coordination de tout ça. Et c'est de là que va naître un organisme qui existe toujours mais qui a changé de nom, qui s'appelait à l'époque le Forum de stabilité financière. Bon, Forum de stabilité financière, hébergé, j'ai peut-être pas besoin de vous le dire,
par la Banque des règlements internationaux. Voilà, hop, il y a beaucoup de monde. Donc ce forum de stabilité financière, qui, dès cette époque, a une grande originalité. Pourquoi ? Il réunit des États, il réunit des organisations internationales, j'allais dire officielles, le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, la Banque des règlements internationaux, et il réunit aussi nos fameuses instances de standardisation privées. Vous y trouvez dès cette époque le comité de Bâle, l'OICV, l'AICA, l'IASB, etc. Bon. Et c'est original de mettre tout ce monde-là autour de la table, voilà, j'allais dire d'une même table, sans qu'il y ait de hiérarchisation. Attention, ce forum, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de traité, il n'y a rien. C'est une réunion. C'est une réunion de ces instances avec parfois des représentants d'autorités nationales ou des représentants d'organisations selon. Alors, ce forum créé en 1999, on lui donne plusieurs missions. Bon, notamment améliorer le fonctionnement des institutions. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Mais on lui donne une mission qui me paraît encore plus importante, c'est d'essayer de réunir des standards financiers internationaux. C'est-à-dire, voilà, on se met tous autour de la table et on essaie de déterminer quels sont les grands standards financiers que tout le monde doit appliquer. Bon. C'est en 99, nous sommes en 2016, on est toujours dans ce cycle-là. Mais on est dans un cycle qui a un peu progressé, je vais y revenir, avec la création en 2008-2009 du Conseil de stabilité financière. Alors ces standards, c'est la transparence des politiques et des données macroéconomiques, c'est l'infrastructure des institutions et des marchés, et c'est la réglementation et le contrôle du secteur financier. Bon voilà, on essaye de réunir tout le monde pour qu'il y ait une globalisation. C'est pas extrêmement efficace jusqu'en 2008. On se réunit, mais bon, ça marche bien. Bon, voilà, à l'époque, la croissance n'est pas mauvaise, donc on se dit, on ne va pas mettre des bâtons dans les roues de cette croissance. Donc, ne faisons pas grand-chose. Malheureusement, 2008 arrive, la crise financière arrive, et on se dit, ah bon, on aurait peut-être dû faire quelque chose. Donc, on va essayer de nouveau de faire quelque chose. Et cette crise de 2008, à mon avis, il y a trois évolutions fondamentales en matière d'architecture financière. D'une part, bon, ça c'est assez évident, c'est le passage de témoin très clair du G7 au G20. C'est pas seulement, bon, tout le monde le sait bien sûr, mais c'est pas seulement pour la beauté du geste, c'est aussi l'inclusion évidemment de nouvelles puissances à l'intérieur de ce G20. C'est pas forcément satisfaisant parce que ce G20 c'est 19 États et l'Union Européenne, donc ça veut dire qu'il en manque quand même beaucoup. Mais là on retrouve une logique qui est une logique de groupe. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le remplacement du Forum de stabilité financière par le Conseil de stabilité financière, Financial Stability Board. Bon, voilà, donc là, c'est le Conseil de stabilité financière. Alors, on change le nom, me direz-vous. Bon, on ne change pas seulement le nom, on change aussi un peu la composition. On y met 24 États membres, pour être très précis. On y met 4 organisations ayant une vocation directe ou indirecte financière. Bon, je l'ai dit. Fonds monétaire international, BRI, OCDE, Banque mondiale, et on y met 6 instances de standardisation, bon, les principales étant celles que j'ai citées, à l'exception du GAFI, parce que le GAFI est directement sous la coupe du G20, et ne rentre pas dans ce Conseil de stabilité financière. Bon, et on demande au Fonds monétaire international de travailler en symbiose avec ce Conseil de stabilité financière. Donc on crée une sorte de couple. Le Fonds monétaire international, parce qu'on sait que c'est quand même l'organisation la plus solide, bon, la plus ancienne, la plus établie, et le Conseil à côté, qui lui bon, bah, est beaucoup plus large, puisqu'il réunit différents acteurs. Et on va faire un effort, puisque effectivement, ce Conseil a une charte. Vous pouvez la trouver sur Internet facilement, il n'y a pas de souci. Il y a une charte en 2009, qui va revoir en 2013. Bon, on voit un petit peu, mais ne cherchez pas de miracle. Le Conseil nous dit « Ah, mais je ne suis pas une organisation internationale, je ne crée aucune obligation juridique, voilà, donc je suis en quelque sorte inexistant du point de vue juridique. » Alors, il ne faut pas le croire. Encore une fois, c'est le même phénomène que le comité de Bâle, parce qu'il est également hébergé par la Banque des règlements internationaux, et donc c'est la même modalité. Et le troisième trait marquant aussi de cette crise, c'est qu'on va, c'est une opportunité pour le Fonds monétaire international, non seulement parce qu'il va retrouver un rôle opérationnel, c'est un peu triste, mais bon, ben voilà, les États ont de nouveau besoin de lui, mais aussi parce qu'il va trouver ce biais pour s'immiscer dans le système financier. Enfin, j'allais dire, ou presque.
Alors, il existait déjà avant ce qu'on appelait les programmes d'évaluation du système financier. Bon, on ne va pas rentrer dans trop de techniques, il est tard, puis il faut que j'en finisse. Mais en gros, le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale d'ailleurs, bon, avait créé des programmes qui permettaient de contrôler la solidité financière d'États ayant beaucoup d'importance. Bon. Ce qu'on va faire à partir de 2010 avec le Fonds monétaire, c'est qu'on va introduire ce programme d'évaluation du système financier dans le cadre de ce qu'on appelle, dans le Fonds monétaire, les consultations de l'article 4. C'est quoi les consultations de l'article 4 ? C'est un check-up que passe un État régulièrement. Hein. Bon, voilà, c'est comme le contrôle des politiques commerciales au niveau de l'OMC, c'est pareil. Donc, il passe régulièrement. Et ça, c'est obligatoire. C'est dans le cadre de l'article 4 des statuts du Fonds. Bon, voilà. Et on met ce programme d'évaluation du secteur financier dans le cadre de cet article 4 pour les 25 États qui ont le plus d'importance financière. Bon, ben voilà, tout ce qui compte en matière de finance, en quelque sorte. Hein. Et donc, on part du soft et on le met dans du hard. Et comme ça, si vous préférez, ça permet au Fonds monétaire international de trouver là un biais pour essayer de contrôler un peu le système financier, ce qu'il ne pouvait pas faire en 1944, faute de compétences. Dans ce cadre-là. Bon, alors il avait bien tenté sa chance sur la question des dettes souveraines avec le mécanisme Kruger et autres dans les années 2000, mais ça n'avait pas fonctionné. Là, ça fonctionne mieux. Alors, quels sont juste, vraiment deux mots, les problèmes qui peuvent finalement se poser par rapport à cette architecture qui, encore une fois, et je le conçois, c'est une architecture qui tient plus de la Sagrada Familia. Voilà que du building fini. Hein. La Sagrada Familia a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est biscornu. Et puis, d'autre part, c'est jamais fini. Bon, vous êtes fiers. Bon, ben là, on est un peu dans le même schéma, si vous préférez. Hein. C'est à la fois biscornu et jamais terminé. Et je pense que ça aura du mal à trouver. On aura du mal à mettre un point final. Alors, cette architecture, quels sont les problèmes qu'elle présente ? Bon, elle présente le problème classique de la soft law. Bon, je ne voudrais pas insister. Je sais que vous connaissez parfaitement cette problématique. Donc, voilà. Pratiquement tous ces organismes, ou tous ceux qui comptent, n'imposent aucune norme. Bon. Ils n'imposent aucune norme, ils proposent. Bon. Comme ils proposent des normes qui sont indispensables et incontournables, et comme les principaux États qui comptent dans le domaine financier les adoptent, bah, ça oblige un petit peu les autres à les adopter. Et puis il y a quand même, si vous voulez, des mécanismes, comme toujours dans la soft law, qui permettent finalement de durcir l'absence d'obligation ou le simple contraignant. Vous avez la procédure d'évaluation. Il y a beaucoup d'organismes qui vont évaluer finalement la mise en place de leurs standards. Vous avez aussi la sanction de non-participation. Ça, c'est l'OICV qui fait ça. D'ailleurs, ils ont adopté un texte en 2014 dans ce cadre-là. Ils disent, bon, voilà, nous, on vous propose des normes. Bon, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Ah, ben, si vous n'acceptez pas, vous ne participez plus aux réunions. Voilà, bon. C'est pas grave, si vous les acceptez dans un an, dans six mois, vous reviendrez. Mais bon, pour le moment, vous ne participez plus. Et c'est quand même aussi relativement efficace, cette sanction-là. Vous avez également la sanction contre les juridictions non coopératives, ça c'est le GAFI. Mais bon, le GAFI avait une liste un petit peu vide, me semble-t-il, ces derniers temps. Bon, parce qu'il suffisait de dire qu'on engageait une action contre le blanchiment d'argent pour que tout s'arrête. C'est ce qui s'est passé pour la Russie. Hein. La Russie a dit oui, pas de souci, je vais engager des enquêtes sur le blanchiment d'argent qui pourrait se produire chez moi. Et le GAFI a dit très bien, puis ils ont rayé la Russie de la liste sans forcément savoir si ces enquêtes avaient abouti à quelque chose. Bon, voilà. Donc, et puis vous avez aussi la technique du Fonds monétaire hein, sur le programme d'évaluation du système financier qui est d'introduire finalement ce qui était soft dans une norme qui, elle, au contraire, est, j'allais dire, en dur. Mais le principal problème, je vous laisserai sur ces mots-là, mais le principal problème qui je trouve, est le souci de cette architecture aujourd'hui, c'est la question finalement de la composition des instances à géométrie variable qui impose que on part du plurilatéral pour l'imposer au multilatéral. Et les compositions sont très variées. Prenez par exemple le comité de Bâle, le Conseil de stabilité financière ou le G20. Le premier a 27 membres, le deuxième 24, le dernier 19, plus l'Union européenne, encore une fois, ça fait 20. Bon, voilà. D'un autre côté, vous avez le FMI, il en a 189, et ainsi de suite. Bon, tout le monde a sa géométrie, son périmètre, et finalement, c'est à chaque fois, sauf quand c'est le FMI, du plurilatéral, voire parfois très restreint, quand on est 20, hein, bon, on est quand même loin des 193, qui, par la force des choses, va s'imposer au multilatéral. Et à mon avis, c'est un des principaux points de friction avec l'OMC aussi.
parce que c'est une logique qui est différente, d'autant plus qu'il y a une logique d'intégration négative à l'OMC, alors que bon, ces organismes-là, par la force des choses, ils ne sont pas là pour enlever les barrières, ils sont plutôt là pour en mettre. Hein, parce que bon, on veut plutôt freiner le système que l'encourager à, en quelque sorte, une certaine fluidité. On estime qu'il est trop fluide. Donc il y a, il faut bien le dire, du point de vue de cette architecture financière, un problème de légitimité. Voilà, de légitimité des organisations ou des organismes qui interagissent. Bon, quand on est le Mali, on peut dire, bah oui, je vais appliquer telle règle financière, c'est gentil, mais moi, j'ai participé à rien du tout. Hein, je ne suis pas dans le G20, je ne suis pas dans le comité de Bâle, je suis non, rien. Je suis au FMI, mais enfin, bon, excusez-moi, j'ai 0,05% des voix, donc de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, voilà. Alors, d'un côté, évidemment, c'est un souci de réalisme économique, et on a connu ça au FMI depuis 1944. Bon, c'est un vote pondéré, d'accord. L'OMC, c'est pas un vote pondéré. Enfin, bon, l'OMC, je pense que Laurence en parlerait mieux que moi, c'est quand même un tout petit peu bloqué, n'est-ce pas? Bon, on peut le dire comme ça. Voilà. Alors, bon, pour que ça fonctionne, malheureusement, c'est ceux qui ont la surface financière qui décident. Mais là, on arrive quand même à une logique de club, de groupe, où justement, en plus, avec l'opacité juridique qui existe derrière tout ceci, bon, on peut reprocher des choses au FMI, mais au moins, c'est une organisation internationale, on en connaît les règles. Bon, et on en connaît le statut. Bon, quand on est devant le comité de Bâle ou devant l'IASB ou d'autres, bon, bah, voilà, on se trouve un peu contraint par des normes qui viennent bah, d'organismes dont on ne sait pas trop ce qu'ils font en pensée par ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit aujourd'hui pour cette architecture, si on veut faire vraiment simpliste, je dirais qu'on a le G20 comme groupe informel de décision, ça c'est absolument clair, de direction. On a le Conseil de stabilité financière comme autorité législative qui essaye de réunir les standards financiers qui concernent le gouvernement d'entreprise, qui concernent le contrôle prudentiel, etc. Et ce Conseil de stabilité financière, en plus, il est très gentil parce que chacun y vient, mais chacun garde la paternité de son standard. Par exemple, bon, en matière de contrôle prudentiel, le comité de Bâle a son standard, et on sait que c'est le standard du comité de Bâle, mais ça fait partie d'un compendium qui, pour le moment, comprend 12 standards financiers internationaux qui essaient de réguler les principales choses. Donc c'est une sorte d'autorité législative, et je pense que le FMI se profile de plus en plus par son ancienneté, par son poids, et par le fait que c'est une vraie organisation, comme une sorte d'autorité exécutive dans ce cadre financier. Voilà, voilà ce que je pouvais dire en résumant assez rapidement. Je vous remercie.